Je dirais mon plaisir coupable, c'est de prendre un petit café le matin. Mon plaisir coupable, c'est le café. J'en boirais, je pense, 10 tasses par jour, mais j'essaie de me limiter justement à 3. Mais j'adore le café. Je ne sais pas en Bolivie comment on va gérer cette boîte-là. On verra, mais j'imagine qu'il y a du café là-bas. Mon plaisir, c'est de manger du sucre. Hein. C'est tout ce qui comporte pâtisserie, gâteau, chocolat. La tentation est trop forte. Là. Chocolat, bonbons, dessert, le caramel. Là, le bio prend le bord. Puis... Je fais de la course à pied, je fais du trekking, je fais du spinning. En fait, je suis un grand sportif, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez clair. J'aime à peu près tous les sports, sauf le baseball. Pour moi, en fait, le sport est de loin mon dada le plus important. J'ai deux enfants. Papa a deux enfants. J'ai deux enfants. J'ai décidé de m'inscrire au défi Aqua Tango parce que mon chum m'a forcé. Non, non, pas juste à cause de ça, mais surtout en fait pour la cause, pour la fond, en fait pour amasser des sous pour la fondation du CHU. Et c'est surtout pour l'aventure que je m'implique. Je souffre de spondylarthrite ankylosante, donc c'est une maladie suivie par un rhumatologue, au CHU. Et puis. Dans le fond, je voulais redonner, c'était une façon pour moi de redonner au CHU. J'approche de la cinquantaine, puis ma santé, coup-ci, coup-ça, j'ai laissé aller les activités sportives un peu trop à mon goût. Je trouvais que c'est un élément de motivation important de s'inscrire dans un défi comme ça pour être capable de me remettre en forme, puis j'ai un but à atteindre, donc on s'entraîne le plus possible. En 2005, j'ai eu un cancer du sein. J'ai eu des très bons soins de santé. En 2010, j'ai eu une récidive du cancer du sein. Puis on m'a encore une fois apporté des très bons soins encore. Ça a été rapide. Donc, c'est important pour moi de redonner au suivant, de redonner à la Fondation du CHU. En tant que médecin intensiviste et chef de service de l'unité, je vois tous les jours comment vos dons peuvent faire une grande différence avec la Fondation pour faire avancer des projets. Vos dons vont donc être dédiés à un projet spécifique aux soins intensifs. Au nom de tous nos patients, un grand merci. En tant que médecin au CHU, je vous invite à donner généreusement pour notre cause. Dites-vous que tous ces dons-là vont vraiment améliorer la vie des patients, que ce soit par l'achat d'équipements, par l'amélioration juste du milieu de vie des patients. On va aller monter une montagne de façon symbolique pour chaque patient qui, chaque jour, à travers la maladie, gravisse eux aussi une montagne. Donc, s'il vous plaît, donnez généreusement, puis on va se rendre jusqu'en haut. Encouragez-nous en faisant un don sur notre site Internet www.defiaquatangochus.org. Merci beaucoup à l'avance.